invité dans l'émission australienne 60 minutes, la personnalité de télévision et ex-amie de Meghan Markle, Lizzie Kundi, n'a pas hésité à tacler la duchesse de Sussex. Meghan Markle en prend une nouvelle fois pour son grade. Lizzie Kundi, une journaliste anglaise qui prétend être une ancienne amie de la duchesse de Sussex, a été reçue dans l'émission 60 minutes de la chaîne australienne Nine Network. À cette occasion, la star du petit écran britannique n'a pas hésité à casser du sucre sur le dos de l'épouse du prince Harry, l'accusant d'avoir changé de visage depuis qu'elle est connue du grand public. Je ne savais même pas qu'elle était célèbre quand je l'ai rencontrée, a-t-elle lancé avant de la qualifier de manipulatrice, révèle The Mirror. La jeune femme a également levé le voile sur les exigences de son ex-copine en ce qui concerne les hommes, je la trouvais très amusante. Elle était très gentille, elle voulait faire plaisir à tout le monde en faisant des selfies et des photos, elle voulait rire. Elle disait qu'elle voulait un petit ami célèbre, et jamais je n'aurais pensé qu'elle finirait par épouser le prince Harry, a-t-elle déclaré. Ce n'est pas la première fois que Meghan Markle est désignée de la sorte. Fin janvier dernier, le magazine Hello révélait que le palais de Kensington avait décidé de filtrer les messages violents des internautes sur les réseaux sociaux. Nous passons de nombreuses heures à examiner et à modérer les commentaires sous les messages. Point. Au cours de l'année dernière, parmi les centaines de milliers de commentaires, il y avait deux ou trois menaces très violentes, rapportait la résidence royale de Londres au magazine. Souvent, Meghan Markle serait insultée de traînée, de manipulatrice ou encore de narcissique sur la toile. I think you